Elle lui valorise. Elles ont plus de... De toute façon, on l'a vu dans les productions, ça a explosé depuis qu'on est en robot quand même. Donc c'est que le confort, on n'a pas changé la bouffe, on n'a rien changé, il y a que la traite qui a changé. Et on a quand même un confort, enfin un confort des animaux qui permet de, d'exprimer un plein potentiel. Quoi. On a pris 10% tous les ans, 3 ans. Ouais, je suis plus détendu, j'ai pas l'heure pour venir, j'ai pas de... C'est vraiment flexible. Après, le soir, le week-end, c'est une demi-heure. C'est pas non plus... C'est pas non plus une... Une grosse contrainte. Une grosse contrainte, ouais. Quoi. Ouais. On reprend l'air, machin. C'est... On peut y aller à 5h, comme à 8h du soir, comme à 3h30, pour être... Après, on pourrait peut-être faire l'impasse d'y revenir, mais moi, j'aime bien revenir, faire un tour. Le nom, le numéro de la vache, son âge, son numéro de lactation, les jours en lactation, la production de la veille, savoir si elle est gestante ou pas, avec sa date de tarissement. Après, si elle a réformé, comme ça, enfin, si elle n'est pas gestante, je sais qu'elle a réformé, ou qu'elle est pas inséminée. Les concentrés consommés la veille, le nombre de passages à la porte intelligente. Quotidien, enfin sur 24 heures, sur les dernières 24 heures, et le nombre de passages sur la, en moyenne sur la semaine. Ceci, on a un gros écart de passages, ça peut être une cause de chaleur. Une vache qui passe de 7 à 19 passages sur 24 heures, ça c'est un signe de chaleur, généralement. Les passages dans le robot, donc voir un peu comment ça circule dans le robot, savoir si on a toujours un peu plus de passages que de traite. Le dernier comptage cellulaire avec le temps de traite moyen sur la semaine, la production par vache sur la semaine et la production totale de lactation, et à la fin les nombres de traite moyenne sur la semaine.